Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Dominique et bienvenue à cette session conjointe entre la Société géographique royale du Canada, Education Canadian Geographic et Exploring by the Seat of Your Pants. Pour ceux qui nous joignent pour la première fois, Exploring by the Seat of Your Pants est une organisation qui intègre la conservation, l'aventure et la science dans les salles de classe et maintenant les maisons autour du monde. Et Education Canadian Geographic, où je travaille, est une organisation qui vise à renforcer l'enseignement de la géographie. Et aujourd'hui, on accueille des personnes du partout. Merci beaucoup de regarder cette présentation de chez vous. Nous diffusons cela sur YouTube, donc aucune inscription n'est requise. Il y aura une période de questions après la présentation et vous pouvez demander vos questions en anglais ou en français dans la barre de discussion. Et maintenant, la raison que nous sommes ici aujourd'hui, je vous présente Sandra Clement-Migason. Sandra est écologue en milieu aquatique à l'Université de Trent. Elle y étudie le contenu en nutriments de l'urine des animaux dans l'eau claire ou marron des ruisseaux et lacs. Des insectes terrestres aux animaux aquatiques, Sandra est fascinée par les interactions entre les espèces et entre ces dernières et leur environnement à l'interface aux terres. Alors, c'est mon plaisir de vous présenter Sandra. OK, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et surtout de faire cette présentation en français. C'est la première fois que je en français. Donc, je vais partager mon écran avec vous là. OK. Et voilà. Donc, comme m'a présenté Dominique, mon nom est Sandra Clement-Migason. Je suis doctorante à l'Université Trent et aujourd'hui, je vais vous parler du pipi. Alors oui, c'est une activité quotidienne qui peut sembler banale, mais en fait, c'est une activité très importante parce que tout le monde le fait. Et puis, notamment pour les animaux dans la nature, cela permet de participer au cycle des nutriments. Donc, je vais vous parler du pipi des animaux dans les eaux claires et marron. Mais avant de commencer, je vais vous donner un peu un historique pour que vous sachiez d'où je viens et comment est-ce que j'ai été amenée à étudier l'eau et notamment les animaux en milieu aquatique. Alors, pour l'instant, vient en fait de la Sandra? Sandra, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je pense qu'on a perdu ta voix. Je ne sais pas si, quand quelque chose est arrivé, si on t'a perdu. Est-ce que tu peux m'entendre? Oh. Ok, je suis désolée tout le monde. On va essayer d'avoir Sandra encore. Donne-moi une minute.
Sandra, est-ce que tu peux m'entendre? Oh, OK. Excusez tout le monde, je pense qu'on a perdu Sandra pour le moment. On va essayer encore. All right, gang, I'm going to pop in for just a minute. Sandra unfortunately got a call while she started sharing, and for some reason that took away her sound. So I don't think she knows that we can't hear her. So I'm trying to get a message to her to get her to stop for a moment and restart the screen share, because right now it's sharing to a different sound right now. So just give me a second to see if we can get a message to her. All right, Dominique, I'm not sure there's a lot we can do right now. That call that interrupted her took the sound away, and I think she has no idea that she's not talking to us right now. Oh, Sandra? Oh, what happened? Okay, no worries. Sandra, I think when that call came through on your phone or on your iPad, it took our sound away and never gave it back. Oh, no. Okay. So we were trying to find a way to stop you and let you know. Okay. Okay, so where did we stop? You were right on the first slide when it came through and kind of stopped us. Okay, I'm sorry about that. That's okay, we can edit out of the YouTube recording afterwards. Excellent. Okay, so we're back. So I was on this first slide or the second one? You might as well just start from the beginning. You were right at the start when it came in. Okay. Bonjour tout le monde. Mon nom est Sandra Clément-Guessant. Je suis désolée du petit couac qui s'est passé. Donc, comme Dominique m'a présenté, je suis doctorante à l'Université de Trent et aujourd'hui, je vais vous parler du pipi. Alors, cela peut sembler être une activité quotidienne assez banale, mais en fait, elle est très importante, notamment pour les animaux qui vivent dans des grands environnements, dans la nature, parce qu'ils participent ainsi au cycle des nutriments, parce que dans le pipi, il y a des nutriments. Donc, je vais vous parler du pipi des animaux dans les eaux claires et marron. Alors, avant de commencer, je vais vous donner un petit historique pour que vous sachiez d'où je viens. Alors, tout d'abord, je suis en ce moment en Ontario, au Canada. C'est là où j'étudie. Mais avant, je suis en fait née en France. Alors, je viens tout particulièrement d'une ville qui s'appelle Toulouse et qui est traversée par une rivière qui s'appelle la Garonne. Ensuite, j'ai habité en Côte d'Ivoire, puis en Tunisie. Et donc, comme vous pouvez le constater, ces trois pays, en fait, sont soit au bord de la mer ou de l'océan, ou alors traversés par une rivière. Donc, toute petite, j'ai en fait grandi à côté de l'eau. J'ai été bercée par l'eau. Et donc, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe dans ces énormes bassins, qui y habite, quelles sont les interactions entre les différents animaux qui peuplent ces bassins.
Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à vouloir étudier l'eau. Alors, quand vous vous imaginez un grand bassin d'eau, vous pouvez penser à quelque chose de très simple. Okay. Quel type d'interaction il y a? Eh bien, d'abord, nous avons les plantes. Alors, ces plantes peuvent être sous forme d'algues ou alors de mousse sur les rochers ou alors de plantes suspendues dans l'eau. Ces plantes vont ensuite être mangées par des petits insectes, des insectes qui sont sous forme de larves. Alors, il faut savoir que nombreux insectes qui sont dans les milieux aquatiques, en fait, ont une phase aquatique. Donc, quand ils sont tout petits et bébés, ils sont dans l'eau et ont une phase terrestre. Donc, c'est quand ils deviennent adultes qui veulent se reproduire, qui sont dans le milieu terrestre. Et donc, les larves d'insectes en milieu aquatique vont manger ces plantes. Ces insectes vont ensuite être mangés par des poissons, donc le poisson qu'on voit ici, et ces poissons vont être mangés par des plus grands poissons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une chaîne alimentaire très simplifiée et qui montre les interactions entre différents organismes. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes et compliquées. En fait, par exemple, on peut s'imaginer que s'il y a des insectes qui sont suspendus dans les arbres ou qui volent et qui trébuchent et tombent dans l'eau, eh ben, ils vont être mangés aussi, n'est-ce pas? Donc, ces insectes terrestres peuvent être mangés par des poissons. Mais on peut s'imaginer également que les plantes qui meurent et tombent dans l'eau vont aussi contribuer à ce système et à contribuer à nourrir, en fait, ce système et les organismes qui le peuplent. Eh bien, ces plantes vont être décomposées d'abord par les insectes et ensuite vont être décomposées par des micro-organismes comme les bactéries qui vont rendre des feuilles, des grosses feuilles, comme de la petite boue. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle de la matière organique dissoute. Et c'est l'un des éléments que j'étudie. Et cette matière organique peut aussi venir d'un peu plus haut dans la rivière. Donc, on peut imaginer qu'une rivière est très longue, très large, et donc un peu plus haut, il y aura la matière organique qui va être transportée jusqu'en bas de la rivière. Et donc, ceci m'amène à mon sujet. J'étudie le pipi des animaux. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, comme je l'ai dit, le pipi est en fait riche en nutriments. Le pipi est en fait le produit de la digestion. Lorsque vous mangez tout un tas de choses, vous digérez, et bien ce qui ne va pas être utilisé pour fabriquer votre corps, par exemple, vos bras, etc., ou alors pour fonctionner, va être rejeté sous forme de pipi. Et donc, tous ces nutriments non utilisés vont être dans ce pipi-là. Et ce pipi va participer au cycle des nutriments. J'étudie également les eaux claires et marrons. Alors, je vous ai parlé des feuilles qui tombent dans l'eau. On les voit ici sur cette photo. Ce sont des feuilles mortes qui vont être décomposées par les insectes, puis par les micro-organismes, et qui vont former de la matière organique et donner une couleur plus ou moins marron à l'eau. Si on regarde un peu plus près, nous avons ici différents échantillons. Alors, cette diapositive a une question. Et donc, comme on voit ces échantillons qui ont différentes couleurs, je veux vous demander, à votre avis, quel est l'échantillon qui a la couleur la plus marron et qui, du coup, montre qu'il y a beaucoup plus de matière organique dans ce système-là? Alors, je ne sais pas si je devrais continuer. Si je donne le temps de répondre. OK. On va continuer. Donc, pour vous donner la réponse, si vous avez trouvé la réponse, c'est donc l'échantillon 11. Parce que c'est là où il y a plus de matière organique, parce qu'en fait, il est beaucoup plus marron. Alors, dans un système où il y a beaucoup de matière organique, vous pouvez vous imaginer que la lumière aura du mal à pénétrer. Okay ? Donc, s'il y a moins de lumière, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas pouvoir se passer. Donc, par exemple, avec la lumière, on peut produire beaucoup de plantes. D'accord ? Donc ça va être un peu plus compliqué dans les milieux très marrons. Ça va aussi influencer le cycle des nutriments parce que l'eau marron va apporter beaucoup de nutriments. Et ça va également influencer la capacité des prédateurs de chasser. Parce que s'il n'y a pas de lumière, ben, ils ne peuvent pas voir leur proie. Donc, dans une eau claire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de lumière, on aura beaucoup de plantes. Pourquoi ? Parce que les plantes font de la photosynthèse, ce qui permet de créer de la nouvelle matière et donc de créer de nouvelles plantes. Donc, beaucoup de plantes, mais peu de phosphore et d'azote, peu de nutriments.
parce que il y a pas beaucoup de nutriments qui rentrent dans ce genre d'eau. Ensuite, ceci va se traduire par beaucoup d'animaux, mais avec peu de phosphore et d'azote, parce que vu qu'ils mangent des plantes qui sont de qualité nutritive très basse, eh bien, ils vont aussi manger, enfin, ils vont se retrouver eux-mêmes avec un corps de qualité nutritive très basse. Cependant, dans une eau marron, on va avoir moins de lumière. Du coup, on aura moins de plantes et beaucoup de phosphore et d'azote, qui sont donc les deux éléments, les deux éléments qui sont les plus importants pour les organismes. Et du coup, ces plantes-là auront une grande qualité nutritive. Et du coup, ça va se traduire en peu d'animaux avec beaucoup de phosphore et d'azote dans leur corps. D'accord ? Donc, cette distinction entre l'eau claire et l'eau marron et ce qui s'y passe va nous permettre de répondre à des questions comme combien de plantes, combien d'animaux il y a ? Quelle est la quantité de phosphore et d'azote dans le corps de ces animaux, et quelle est leur taille. Parce que imaginez-vous bien que, par exemple, lorsque vous êtes en train de grandir, si vous avez entre 0 et 18 ans, par exemple, on va vous dire manger de manière diverse et variée. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va vous permettre de vraiment vous construire et bien grandir. Si vous mangez de la nourriture qui n'est pas très diverse et qui n'est pas très riche en nutriments, eh ben, ça peut un peu affecter votre croissance. Donc, c'est la même chose pour les animaux. Maintenant, moi, j'étudie plusieurs espèces d'animaux, d'accord ? Donc, l'une de ces espèces est l'achigan à grande bouche. C'est un poisson qui peut devenir très, très grand. Le meunier noir, qui a cette bouche assez distinctive, qui lui permet de manger dans les sédiments. Le naze noir de l'Est, qui tient dans une paume de main. Et l'éphémère. Alors, l'éphémère, c'est l'insecte que vous avez vu un peu plus tôt. Et si vous vous rappelez bien, c'est une larve. Mais on l'appelle éphémère parce que lorsqu'elle atteint la phase adulte, elle passe très peu de temps. En fait, elle est adulte juste pour pouvoir se reproduire et ensuite, elle meurt. Et donc, c'est une phase éphémère. Éphémère qui veut dire que la période est très courte. Pour vous illustrer ceci, vous pouvez voir ici la phase larvaire et ici la phase adulte. On voit là une grande éphémère adulte qui va passer de quelques heures à quelques semaines dans cette phase juste pour se reproduire. J'étudie également des poissons qui mangent différentes choses. Et c'est ce pourquoi j'étudie différentes espèces de poissons. Alors, cet achigan à grande bouche, à votre avis, qu'est-ce qu'il mange ? C'est un gros poisson, donc on s'attend à ce qu'il mange de grosses choses. Eh bien, il mange du poisson. Ensuite, le meunier noir, qu'est-ce qu'il mange ? Vu qu'il mange dans les sédiments, eh bien, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Sûrement des plantes et sûrement des insectes. Du coup, c'est ce qu'il mange. Le naze noir de l'Est, vous le voyez qu'il est tout petit, tient dans une paume de main, eh bien, lui, en fait, il ne mange que des insectes. Et enfin, l'éphémère, étant un insecte, et comme beaucoup d'insectes, notamment des éphémères, elle mange des plantes. Et voici mon poisson préféré. Il s'appelle le crapet-soleil. Je l'adore parce que vous pouvez le voir ici dans toute sa splendeur, avec la lumière qui montre toutes les belles couleurs de son corps, et notamment le jaune, d'où son nom, crapet-soleil. Et sur ce diapositive, il y aura une question. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez que ce poisson mange ? Il tient dans une paume de main. Qu'est-ce qu'il peut manger ? Je vais vous laisser le temps de répondre et je ne vais pas avoir vos réponses, mais ensuite je vais continuer. Et en attendant, je vais juste vous montrer, j'aime tellement ce poisson qu'en fait j'en ai fait un dessin. J'ai fait de la peinture, bon, je ne suis pas une grande artiste, mais voilà, c'était juste une façon pour moi de représenter un poisson que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc ce poisson, le crapet-soleil, il mange des insectes. Voilà. Ensuite, j'ai étudié également différents types d'écosystèmes. Alors, moi, je travaille en milieu d'eau douce, pas dans l'océan, donc, mais les milieux d'eau douce, ils ont aussi différents écosystèmes. Et donc, cette diapositive a également une question. Je voudrais savoir, à votre avis, cette photo, qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce qu'elle représente un lac, un ruisseau, une rivière, l'océan, un grand lac, par exemple ?
Et ça, c'est l'un des écosystèmes que j'échantillonne. OK. Alors, ceci est en fait un ruisseau. Ensuite, j'étudie les lacs. Et enfin, j'étudie les grands lacs. Alors, cette photo-là montre le lac Erie. Vous savez qu'au Canada et aux États-Unis, on a beaucoup de grands lacs. Et moi, j'étudie le lac Erie. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de vers. Et en fait, ce vers représente des algues qui prolifèrent. Donc, beaucoup, beaucoup d'algues. Et ça, c'est dû en fait à une grande quantité de nutriments. Comme je vous l'ai dit, la quantité de nutriments qui se retrouvent dans notre système est importante et va influencer différents processus tels que la quantité d'algues que l'on retrouve dans le système. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir eh bien, comment est-ce que le pipi des animaux va contribuer ou va changer dans un système aussi grand qui a beaucoup de nutriments et beaucoup d'algues. J'étudie également les eaux plus ou moins marron. Alors, on en a parlé plus tôt, je peux étudier des eaux très très claires, des eaux un peu moins claires et des eaux très marron. Et ceci va vous dire combien de matière organique vous avez dans le système. Et en fait, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on récolte toutes ces données? Eh bien, tout d'abord, on a besoin d'une équipe très motivée et de main d'œuvre. Donc, on s'en va ensemble, on va sur les sites et on commence à échantillonner. Alors, on va prendre des poissons, on va prendre les insectes que vous avez vus, on les met dans des seaux. Ensuite, on remplit des sacs d'eau, on met un poisson ou quelques insectes par sac, on les laisse dans l'eau pendant 20 à 40 minutes et on les laisse faire pipi. On utilise les paniers que vous voyez ci-dessus pour pouvoir les laisser s'adapter à la température ou bien ambiante de l'eau. Et ensuite, on les enlève du sac. On en garde quelques-uns pour faire des analyses du corps, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le corps, quels sont les nutriments. Et ensuite, on va utiliser l'eau pour la filtrer, ce qui prend énormément de temps. On la filtre pendant des heures et ensuite, on va utiliser l'eau pour faire des analyses en labo. Et on va voir la quantité de nutriments qu'il y a. Alors, pour pouvoir échantillonner les poissons, on a besoin d'un appareil qui s'appelle l'électropêche, ce qui nous permet de, en fait, mettre un peu d'électricité dans l'eau pour pouvoir électrocuter les poissons. Ça leur fait pas mal, c'est juste qu'ils sont immobilisés pendant quelques secondes, ce qui nous permet à nous, les scientifiques, de pouvoir récolter les poissons facilement. Et ensuite, ils se réveillent et on peut les utiliser pour les tester, pour les expériences qu'on fait. Et on a également besoin d'un filet, d'un très grand filet. Parce que vous imaginez bien, les poissons, ça bouge beaucoup et donc ils vont essayer de nous échapper. Donc, on a besoin d'un grand filet pour leur barrer le passage et pour qu'on puisse les attraper sans grande difficulté. Donc, on enlève le filet ensuite après avoir échantillonné le site. Alors ici, je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous ayez une vue d'ensemble du type de travail qu'on fait. Elle est très rapide, mais donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs personnes. Les deux personnes à droite et à gauche, aux deux extrémités, sont en train de filtrer l'eau. Donc, c'est beaucoup de pompage. Et puis, il faut prendre soin d'écrire quelle est l'identité du poisson, etc. On doit aussi prendre des notes sur tout ce qu'on fait. Et puis, vous pouvez me voir au milieu, je suis en train de monter un instrument qui s'appelle le flow meter en anglais. Alors, c'est un instrument qui nous permet d'aller dans l'eau et de mesurer différents paramètres tels que la vitesse de l'eau, la profondeur de l'eau et puis la largeur de la rivière. Ah. Voici une autre vidéo pour que vous voyez un peu comment on relâche les poissons dans l'eau. Donc, on prend notre seau, on les relâche tous dans l'eau, mais vous voyez que des fois, il y a des incidents qui ne sont pas prévus. Alors, en bas à droite, vous voyez une écrevisse qui est en train de se démener sur un poisson, qui est en train de l'attaquer. Alors, ce n'est pas très joyeux, mais en tant que fascinée de la nature, j'ai trouvé ça super exaltant de voir une situation de chasse juste devant mes yeux. Donc, c'est le genre de situation qu'on a des fois lorsqu'on fait de la science sur le terrain. Des fois aussi, on a de très belles surprises
telle que cette truite brune. Normalement, elle n'était pas censée être dans le système qu'on échantillonnait parce qu'il était assez peu profond. Mais on l'a trouvée là et on l'a relâchée bien sûr après. Et voilà, une truite avec de très belles taches de toutes les couleurs. Et c'était ma première fois de l'avoir, donc j'étais vraiment très contente. On peut voir aussi des espèces qui ne sont pas des poissons, telles que cette salamandre qui s'appelle Nocturne tachetée. En fait, c'est une salamandre qui se cache dans la boue et on l'a aussi trouvée dans un site et voilà, j'étais très contente. Donc, pour résumer, parce que ça fait beaucoup d'informations, qu'est-ce que je fais ? J'échantillonne différentes espèces de poissons et d'insectes qui mangent différentes choses parce que je me dis que, dépendamment de ce qu'ils mangent, en fonction de ce qu'ils mangent, on peut s'attendre à ce que la qualité nutritive de leur poisson, de leur pipi diffère, qu'elle change. J'étudie également différents types d'écosystèmes, donc les ruisseaux, les lacs et les grands lacs. Et enfin, j'étudie des eaux plus ou moins marrons, d'accord ? Parce que ça va nous dire combien de matière organique on a dans le système. Et pourquoi c'est important tout ça ? Eh bien, parce que... vous avez entendu parler du changement climatique, vous savez ce qui se passe. Avec le changement climatique et avec le fait qu'on transforme les terres autour des systèmes d'eau, donc on en fait des plants agricoles par exemple, on fait de l'agriculture dessus, eh bien ça va changer la quantité de matière organique qu'il y a dans les systèmes. Donc il y a beaucoup plus de matière organique maintenant. Donc on se dit, à mesure que nos systèmes deviennent beaucoup plus riches en matière organique, eh bien, est-ce que le pipi des animaux va changer ? Et comment est-ce que ça va changer l'écosystème en entier ? Donc, c'est pour ça que j'étudie ça. Et donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis ouverte à n'importe quelle question. Merci beaucoup, Sandra. Si c'est correct avec toi, vous pouvez arrêter de partager. Oui, excellent. Et merci beaucoup pour cette présentation vraiment captivante. Nous allons commencer maintenant avec, avec la période de questions. Avant qu'on fasse ça, je veux juste... on a fait un petit... des questions pendant la présentation et je sais qu'il y a quelques élèves qui ont répondu aux questions. Alors, la question numéro un, vous avez demandé quel échantillon, je crois, et le moins clair, est-ce que c'est ça? Oui, le moins clair, le plus marron. Ouais. Oui, excellent. Alors, la bonne réponse, c'est l'échantillon numéro 11. Et oui. On a 86% des personnes qui a dit ça, alors très bien. La question numéro 2, c'est à quoi mange le poisson? C'est correct, le crapet? Oui. Et c'est des insectes et 57% ont dit des insectes, alors oui. Très bien encore. Et question numéro 3, c'est quoi le cordeau? Est-ce que c'est ça? Oui, quel type d'écosystème est représenté dans la première photo? Oui, et c'est un lac, je crois. C'est un ruisseau. Un ruisseau, ok, excellent, un ruisseau. Oui. Excellent. Alors, merci beaucoup à tous les élèves pour participer avec nous. Maintenant, je vais demander... Je sais qu'on a un quiz aussi pour les élèves, mais je pense qu'on va commencer avec les questions. Je vais juste demander excusez tout le monde. OK, alors maintenant, on va commencer avec le quiz. Alors, si les élèves qui nous joignent, aussi je vais introduire les élèves qui nous joignent, c'est la classe de Madame Matthews qui nous joignent de Courtney Beast, Colombie-Britannique. Alors, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour nous joindre. alors, maintenant, on va commencer avec le quiz. Alors, on va avoir 20 secondes pour chaque question sur le quiz, les élèves qui nous joignent. La première question est maintenant là.
c'est dans la barre de discussion sur Zoom. Alors, on a la première question. C'est quel type d'écosystème Sandra échantillonne-t-elle? Okay. Alors, ça semble que 93% on dit ruisseau, lac et grand lac. Wow, bravo! C'est génial! Vous êtes très bien écouté. Et maintenant, il y a un autre? Maintenant, la dernière question. Excellent. Alors, les trois questions. Alors, quel type d'écosystème Sandra échantillonne-t-elle? On a ruisseau, lac et grand lac. Vrai ou faux, les eaux marrons ont beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux et peu de phosphore et azote. Ça, c'est faux. Et la dernière question, quelle espèce a une courte durée de vie durant la phase adulte? C'est l'éphémère. Parfait. La première passe, la gagnante, c'est Madame Matthews. Bravo. Et la deuxième place, c'est Eva. Et bravo, Eva. La troisième place, c'est William. Alors, bon travail, tout le monde. Excellent. OK, alors, merci beaucoup, tout le monde, pour participer. On va commencer avec la période de questions. Alors, si vous avez une question que vous voulez demander, les élèves ou les personnes qui regardent cette présentation sur YouTube, vous pouvez écrire la question dans la barre de discussion en anglais ou français et on va le répondre en français. Si les élèves qui nous joignent, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et on va réactiver ton microphone. Alors, vous pouvez aussi, les élèves qui nous joignent, vous pouvez aussi lever ta main virtuellement dans Zoom aussi. Ça c'est une option. Alors, est-ce qu'il y a un élève dans la classe de Mme Matthews qui a des questions? J'essaie de regarder tout le monde. Pas encore. Oh, OK. Alors, on a un Isaac. Attends un moment, Isaac. Je vais juste réactiver ton microphone. Ça, c'est pour Sandra. Quel est ton numéro 2 dans ton... Quel est ton poisson favori? Oh, mon poisson préféré! Eh bien, c'est une très bonne question. C'est le crapet soleil, comme je l'ai montré, et que j'ai fait en petite peinture ici. Le crapet soleil, c'est vraiment mon poisson préféré pour l'instant, parce que je le trouve très joli, il a plein de couleurs, et j'aime les poissons très colorés. Excellent, merci beaucoup, Isaac. Est-ce qu'il y a les autres questions de la classe de Madame Matthews? Donne-moi un moment. Excellent.
Alors, tu peux demander ta question maintenant. Je pense que c'est Wood. Me? Yep. When you're studying the like the urine, how like this is for Sandra. Like when she's studying the urine, how does she? Alors, en fait, comme c'est des poissons, eh ben l'urine va se retrouver dans l'eau. Et donc, on va regarder le contenu en nutriments, la quantité de nutriments qu'il y a dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de filtrer. Donc, d'abord, on filtre pour enlever tous les éléments dont on n'a pas besoin. Comme ça, à la fin, on a surtout de l'urine mélangée avec de l'eau. Et on regarde la concentration en phosphore et azote dans l'eau. C'est comme ça qu'on l'étudie. Très bonne question. Merci beaucoup pour ton question. Est-ce qu'il y a les autres élèves qui ont des questions ou encore si vous voulez demander les questions sur YouTube, vous pouvez l'écrire dans la barre de discussion. OK, alors on a un autre ici. Je vais juste réactiver ton microphone. Donne-moi un moment. Just in my ear, mama. Okay. Est-ce que tu peux lever ta main encore? Oui, excellent. Je vais juste. Ou aussi. Ok, excellent. Tu peux demander ta question maintenant. Sandra, quel type de technology est-ce que tu utilises et quel type d'animaux est-ce que tu trouves? Merci beaucoup pour ta question. Alors, j'utilise ce sac à dos que tu as vu qui s'appelle l'électropêche, enfin pour faire de l'électropêche. Donc, c'est un gros sac. C'est un gros sac à dos lourd, mais qui me permet donc d'échantillonner en mettant un peu d'électricité dans l'eau. Et j'utilise, enfin je dirais que c'est la plus grosse technologie que j'utilise. J'utilise un filtre aussi, donc un petit appareil comme vous avez vu sur la vidéo qui me permet de filtrer avec des pompes. Donc on doit vraiment pomper avec les mains. Et puis les animaux que j'attrape, il y en a plusieurs. Il y a le crapé soleil que vous avez vu, il y a le naze noir de l'Est, le meunier noir, la chigan à grande bouche, l'éphémère, et puis quelques autres que je n'ai pas mentionnés, je n'avais pas de photos. Mais donc en tout, j'échantillonne, je pense, 9 espèces. 8 espèces de poissons et une espèce d'insectes. Merci beaucoup. On a une autre question. Attends un moment, on va réactiver ton microphone. Est-ce que tu peux lever ta main encore, MD? Oui, merci. Attends un moment. MJ, est-ce que tu peux lever ta main juste encore pour que mon collègue peut te voir pour réactiver ton microphone? Excellent. Maintenant, tu peux demander ta question. Sandra, like where do you study? Like, what province do you study in? Ah, très bonne question. J'étudie en Ontario. Donc, vous êtes en Colombie-Britannique, vous êtes à l'ouest. Moi, je suis à l'est du Canada, à côté des Grands Lacs. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler des Grands Lacs, mais il y a le lac Erie, le lac Ontario, etc. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Toronto. Ben, j'habite à côté de Toronto. Merci beaucoup. Alors, Thank
they can still hear you. Excusez tout le monde, j'ai oublié de réactiver mon microphone, alors je suis désolée. On a le temps pour une autre question. Alors, est-ce qu'il y a une autre élève de la classe de Mme Matthews qui a une question? Miranda, est-ce que vous avez une question? Non? OK. Est-ce qu'il y a une autre élève? Oh, oui. Alors, Mme Matthews, attends un moment, on va juste... Excellent. Alors, tu peux demander maintenant. Bonjour, Sandra. On a un réseau sur notre terrain d'école. Est-ce qu'il y a des expériences simples qu'on pourrait faire si jamais on retourne à l'école ensemble là? C'est une très bonne question. Alors, ce qui est compliqué avec les poissons, c'est qu'il faut un permis pour pouvoir les échantillonner. Donc, malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez le faire avec des poissons. Mais vous pourriez le faire avec des éphémères, vu que c'est des invertébrés, donc il n'y a pas besoin de permis. Et donc, vous pourriez, par exemple, retourner des roches dans les ruisseaux que vous avez à côté et essayer de voir s'il y a quelque chose. Il faudrait regarder quand même une feuille pour être sûr que c'est bien une éphémère. Mais n'importe quel insecte, en fait, marcherait. Vous la retournez. Et puis, si vous voulez répliquer l'expérience, il suffit de remplir un Ziploc avec de l'eau qui n'a pas trop de nutriments. Donc, vous pourriez utiliser, par exemple, l'eau potable que vous avez qui sort du robinet. Et puis, vous mettez les petits insectes dedans. Il en faut plusieurs, donc je dirais entre 10 et 20. Et puis, vous les laissez dans l'eau. Il ne faut pas qu'ils bougent trop. Et pour les insectes, on va dire que ça va faire à peu près une heure et demie. Après une heure et demie, vous pouvez regarder... après, vous pourrez faire des expériences, enfin des analyses en laboratoire pour regarder la quantité en nutriments. Mais ça demande un peu plus d'équipement, et notamment des produits chimiques. Mais je ne sais pas s'il y aurait une façon un peu plus simple de le faire. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, ce serait juste de renverser l'eau et après aussi voir... Les petits morceaux d'excréments que vous pourriez voir pour voir la différence. OK, ben, ils ont aussi fait caca. Donc, il y a une partie excréments et puis il y a l'autre partie qui est l'eau et ça représente le pipi. Mais c'est vrai que regarder les nutriments eux-mêmes, ça peut être un peu compliqué si on n'a pas les produits chimiques, malheureusement. Ouais. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les élèves et à Mme Matthews pour vos questions vraiment intéressantes. Merci beaucoup à toi, Sandra, pour ta présentation. S'il y a les personnes qui veulent savoir plus d'informations sur ton travail ou sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller sur l'Internet ou à quelle autre part? Eh bien, j'ai un site web. Et en fait, c'est mon nom complet sans l'apostrophe ni le trait d'union. Donc, Sandra Clément Nguessan, tout collé, .wordpress.com. Donc, vous pouvez aller sur mon site web et on peut voir un peu les différents projets que je mène. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter avec le @ Sandra Clément, donc juste Sandra Clément, pas la dernière partie de mon de famille. Et ça me ferait très plaisir si vous m'envoyez un tweet et on pourrait continuer cette conversation. Une autre expérience à laquelle j'ai pensé pour Madame Matthews, vous pourriez par exemple essayer d'échantillonner différentes rivières et vous prenez différents échantillons des rivières qui ont différentes couleurs. Comme ça vous permettrait de répliquer un peu ce que j'ai montré sur la photo et voir que différentes rivières ont une quantité de matière organique différente. Excellent. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup à la classe de Mme Matthews pour nous joindre aujourd'hui et pour vos questions. Merci, Sandra, pour l'information sur les poissons et le pipi des poissons aussi. alors, nous arrivons à la fin de notre session. Encore, je veux dire merci beaucoup. J'espère que tout le monde est bon, passe une bonne fin de journée, un bon après-midi. Et je veux dire je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Au revoir.